Et salut tout le monde, c'est Jean Bloqué, on se retrouve pour ce 8ème épisode de la saison 2 du Retard d'American Truck Simulator. Et on va continuer tranquillement, j'ai déjà trouvé une livraison, on va aller en direction de Bozeman. Et on va aller faire le petit point d'intérêt tout de suite. Si c'est possible. Faut pas déconner. En plus, on passe... Mais on passe dessus! Le timing. Du moins, le timing. Le génie. Voilà. Qu'est-ce que c'est ce point d'intérêt pour qu'on puisse avoir une livraison depuis là? On va y aller tout de suite. Il est où le truc? Il est là en plus, la cinématique. Wouah! T'imagines, c'est un truc que le DLC a, que le DLC a ajouté et que mon mode a flingué. Bah c'est peut-être ça en vrai. C'est quoi en vrai? En tout cas, il y a le Pizza House juste à côté, hein. C'est déjà ça. Ils ont fait un beau travail quand même sur les cinématiques. Ça te présente un peu la ville et tout. Ah, il y a des gens qui discutent. Oui, j'avais pas vu le truc là, il est joli d'ailleurs. Eh, 99 cents les hamburgers, hein, venez. Hein. Ça doit être l'hôtel de ville, ça. Ouais, c'est sympa. Là, il y a la librairie, la bibliothèque. La bibliothèque publique de Lewiston. Putain. Et là, il y a un bâtiment. On sait pas c'est quoi, mais il y a un bâtiment. Ok. Je pensais que j'étais encore putain. Je pensais pas que j'étais aussi proche de la route. Bon bah... T'as pas besoin de reculer autant, hein, mec. Hein. Alors je sais pas si le DLC a pas modifié ce coin-là. On entre. Livraison. J'espère qu'elle est pas trop longue, hein, parce que regardez. Il me fait un détour par là. C'est bon, je... Ah, on va livrer des rouleaux. Ça change un peu. Voilà. Voilà. Ouais, c'est bien. Et pas trop perdre de temps non plus. Voilà.
Hop, c'est parfait. On y va direct. Oh, il y a l'air d'avoir un peu de kilomètres. J'espère que j'aurai le temps dans cet épisode de le faire. Ça risque d'être encore un épisode long si... Si la livraison est longue. Mais c'est normal, Grateful, j'ai pas eu de truc pour y aller. J'aurais bien aimé. Logiquement, j'ai pas besoin de dormir avant la fin de la livraison. Toujours peur dans ces virages-là à grande vitesse de me retourner. Même pas un petit signe. Je suis déçu. Il est où ce roleplay là? J'aurais pu rajouter ça hein, quand tu fais un appel de phare selon une certaine distance, le mec il te répond. Ou un petit coup de klaxon, tu vois. Enfin, c'est un camion et tout ça, où on se répond et tout. Ça a pu être cool. Merde. C'était pas la bonne touche. Oh, il y a un petit bruit sur mon truc. La catastrophe, heureusement que j'ai pas le permis. Hein. Bah en vrai, si j'avais le permis, ça voudrait dire que je sais conduire. Logiquement, on te donne pas le permis si tu sais pas conduire, tu vois. Quoique. Il y en a des fois, tu te demandes. Hein. On va pouvoir avancer. On va se mettre à 67 miles. Hein. Comme ça, c'est un bon compromis. Par contre, c'est moi où on se rapproche vite du mec devant. Parce que là, c'est un peu le bordel. Là, quand même. Ça... Ouais, j'ai l'impression de le dire souvent, cette expression. Ou le « mais bon ». Tu veux y aller comment? Je peux pas le bypass? Et ils abusent là. On pouvait pas passer par là. Et pourquoi ils ont verrouillé ce coin là? Inspect, hein. T'as le GPS en mode calcul de l'itinéraire. Je m'étonne. Calcule ton itinéraire, hein. Calcule-le, hein. Si je te dis. Non, on va pas dormir. C'est juste que là, c'était totalement le foutoir, en vrai. Putain,
Il y a une entrée fait pour ça, ils l'ont pas mis. Donc, si ils avaient fait l'entrée, j'aurais pu ressortir bien, quoi. Direct. Sans faire un pseudo demi-tour, là. Je sais pas si j'aurais pris une amende, là, si j'avais pas accepté. Là, on voit rien. Au pire, si on voit des lumières en face, on baisse. Hein. Hop, on passe comme ça. Comme sur la route, hein, ça arrive quand j'étais avec des gens là qui conduisaient, j'étais à l'avant, vous voyez, hein, hop, hop, ça a changé direct. Téléphone qui fait des notifs. Mais pousse Pépé là. Putain, il a du mal hein. En même temps, ça doit être le poids. Hein. On arrivera la semaine prochaine, je pense, les gars. Vu qu'on monte le camion, il se traîne. Et voilà, j'aurais Trucky. J'aurais le petit truc là. Pour regarder et tout. Il m'a fait un appel de... Ah oui, il m'a fait un appel de phare parce que j'avais les pleins phares. Mais que comme ça, je peux avoir des appels de phare, ça dégoûte. Bon, c'est vrai, de nuit, là, tu peux pas... mirer le décor. D'accord, j'ai fait un écart tout à l'heure pour juste ça. Très bien, je vais m'en accommoder. Je vais faire comme lui. Hein. Ne m'en veux pas, collègue, hein, mais bon, à un moment donné, il faut pouvoir assumer un peu. Bah oui, c'était sûr, je roule à ralenti là depuis tout à l'heure. Allez, dégage. Non, mais sérieux, j'ai roulé à ralenti et elle a ralenti encore plus. Ah là là, chill hein. Non mais franchement là c'est abusé le genre de truc comme ça où t'as le véhicule d'un seul coup bah j'étais au ralenti déjà et puis d'un seul coup elle pile un peu devant moi là. Sûrement parce que la réduction de la vitesse juste avant. Mais bah, ils peuvent faire ça un peu plus smooth quoi. J'étais à en dessous des 45 quand même hein. Désolé, j'ai pas le temps, moi. J'ai une livraison à faire.
Allez, à plus en l'âne. Bah ouais, si on... Franchement... Les mecs, ils ouais, pensent qu'on va attendre, là, pour leur livraison à la con. Oh, nous, on est pressés, hein. Après, il va falloir aller se coucher, tout. Non, ça va. Ouais, en vrai, les 8, je les ai pas... J'ai pas trop abusé dessus. Je pense qu'il va falloir aller sur cette voie, voilà. Ouais, ça va, c'est pas du tout serré ici. Il n'y a aucune visibilité. Hein. De nuit, c'est le bordel. Hein. Voilà. On voit mieux comme ça. Et dire que moi, avec les lumières comme ça, je vois pas si bien. Là, je devrais avoir une casquette, en vrai. Je vais investir dans une casquette. Parce que oui, en fait, les lumières m'éblouissent, un peu. Donc, ça se trouve, je suis en train de perdre la vue à cause de ça. Le mec il devait aveugle. Faudra que je réduise les lights en vrai. Je le fais. J'y pense là ces derniers jours, mais je le fais pas. Ah oui, pardon. C'était trop tard. On va pouvoir. Je sais pas si on peut y arriver. Là, j'étais obligé de ralentir et le téléphone clignote. Super. Laissez-moi tranquille. Ah, le réflexe, hein. Faut l'avoir, hein. Normalement, on doit aussi faire en sorte de ne pas éblouir le conducteur devant. La connerie. Vous la connaissez, celle-là? Il est trop lent, tu peux rien. Putain, je commence à avoir chaud. Bah oui, j'ai enchaîné les deux épisodes l'un derrière l'autre, donc ça aide pas. Donc là, en plus, j'ai mis le ventilo. J'ai mis qu'un seul ventilo qui tourne sur 1. Bah, c'est vrai que je roule un peu trop vite quand même. Là, on y va. Oh, c'est une cata cet épisode. J'ai pas ralenti assez. Ah, c'est ça, quand tu joues pas pendant le jeu pendant un bon moment, tu perds tout réflexe ou tout instinct de truc là. Et tu fais nappe. Puis en plus, vu que je suis un peu pressé, ça aide pas. Il me fait des appels de phare ou pas du tout? Non. Il y en a un qui va me faire des appels de phare? Non. Oh, ça n'a pas l'air de déranger, là. Parfait. Et en plus, on peut rouler à 70, ici. Ah, si le véhicule monte à 70, bien sûr. Parce que là, avec la montée... Non. Ah non, ça va, c'est de l'autre côté.
J'allais dire, mais non, ils ont pas bouché ce coin-là. Et il y a même des hélicos. Ils ont dû faire une poursuite sur la route, là, qu'ils ont dû mettre à la télé. Ah, bah, il fatigue le perso. Ah oui, le délai de livraison, là, ça va être short de ses shorts, hein. Il va falloir vraiment un peu speeder, hein. Pourquoi tu ralentis autant? Il n'y avait pas besoin à ce moment-là. Je suis désolé, mais le truc, tu le vois 3 heures en retard, le truc. Et le mec, il ralentit là. J'aime bien, c'est que le truc, et le mec, il s'est inséré alors qu'il y avait quelqu'un qui roulait sur la voie. Et tranquille, hein. Ça va, tu trouves pas déjà mon trajet rallongé? Tu vas en mettre plus? Non, ça a l'air d'aller. Non mais là, j'ai pas compris. Ça dégoûte. Ah ben là, hop, voilà. C'était engagement direct. Oh, on est déjà à Bosman. Vous avez rien vu. Ne nous dira rien. Quoi? Mais pourquoi il y a un décalage comme ça? Je comprends pas le délire. On était à 2h et là il y a 1h15. Attends, le rouge il était pas enclenché et le vert il était pas enclenché, il a pu tourner à droite. C'est bien gentil, mais il y en a qui veulent arriver dans les délais. Hein. Je suis à fond sur la pédale de frein, sérieux. Bon, tu l'avances ta poubelle là? Mais le mec il a reculé sur moi là! Arrête de reculer! Mais pourquoi il recule? Connard! Ah oui, mais ça, c'est l'épisode, ne reproduisez pas ça chez vous. On n'arrivera peut-être pas dans les temps. Je parle pour le sommeil. Hein. Là, il reste à peu près maximum 5 minutes d'épisode. Ah, mais l'épisode, il est cata aujourd'hui. Hein.
Putain, les notifs que j'ai là. Téléphone, et je l'ai mis dans le mauvais angle. Si on speed un peu, il y a moyen que qu'on arrive dans les temps sans forcer au niveau du sommeil. Je pensais pas que c'était aussi long en vrai. Je pense que s'il n'y avait pas eu le petit la petite déviation, quoique. Ouais, non, ça doit être la déviation qui nous a fait perdre une heure. Il a pas découvert le petit coin là. Regardons le l'heure. 36 minutes. Toujours plus les virages, les gars. Oui, pas faire des lignes droites. Ouais, en plus j'ai chaud quoi. C'est horrible. Ouais, je suis un peu calme, mais en plus, il y a peut-être plus rien à raconter, ou je sais pas, mais... Ah, il y a des trucs, des fois, ça saoule, en fait, dans le jeu, là. Les voitures, des fois, te pilent comme ça devant, tu t'en rends pas compte. Oui, je suis fatigué, je vais arriver avant, t'inquiète. Bon, bah, il y a un peu de rab, hein, sur cet épisode. Je pensais pas. C'est le truc, c'est qu'il n'y a aucune indication en temps réel. Et j'avais cherché des modes. Et il n'y en a pas forcément où il était daté, où il affichait pas comme on voulait. Je me suis retourné comme une crêpe. C'est dommage que je puisse pas remettre le véhicule dans le bon sens. Service de remorquage. Ah, il me ramène à Bosman. Ça m'avantage pas du tout, là. Bon, est-ce que ce serait pas la première mission en vidéo qui est pas finie? Parce que je vous avoue que... C'est un petit peu le bordel quand même. Vous êtes testé animé sur deck. Ouais, 2 heures. Bon. Si, ça sera fini sûrement dans l'épisode prochain. S'il n'y a pas vraiment de mise à jour. On va s'arrêter là parce que je pense que là j'en ai fait trop et vaut mieux que je m'arrête plutôt que de retourner encore le camion. 30 minutes c'est pas mal, vous verrez peut-être la fin de la livraison dans le prochain épisode s'il n'y a pas de mise à jour qui flingue la livraison. En tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu, moi je crève un peu de chaud. N'hésitez pas à le faire savoir par les moyens habituels, le like, le commentaire, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, puis nous on se retrouve pour de prochaines aventures. Ciao, bye bye.